ils étaient venus, la première fois qu'ils ont chanté cette chanson, c'est dans ce studio. On savait pas que ça allait être colossal comme ça. Et puis, depuis, ils l'ont pas rechanté ensemble, et juste pour nous, ce soir à la télévision, ils vont venir la rechanter. Ils s'appellent Garou, Fiori et Daniel Lavoie. Et pour vous, Belle, tout de suite, en direct avec l'orchestre. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, t'es un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner les yeux du Dieu éternel qui a dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Belle, malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir mon émerveille sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma Delphinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Dans toute foi, j'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Et celui qui lui jettera la première pierre.
Et oui, et regardez derrière vous, les musiciens sont debout.